Bonsoir, chers amis. Joachim du Bellay, oui, c'est Joachim, pas Joachim, on va pas revenir là-dessus. Joachim du Bellay est né, ça c'est sûr, mais quand ? 1522 à ma gauche, 1525 à ma droite, on dira en 1523 et demi, et il est mort le 1er janvier 1560. Le roi François Ier signe en 1539 l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui impose le français comme langue nationale en lieu et place du latin et des divers patois. Le texte est d'ailleurs toujours en vigueur aujourd'hui. En 1547, du Bellay rencontre Pierre de Ronsard, forme la Pléiade, et c'est Joachim qui rédige en 1549 la défense et illustration de la langue française pour célébrer les 10 ans de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Toujours en 1549, il publie l'Olive, qui comprend 50 sonnets, réédité en 1550 avec cette fois 115 sonnets, dont « Si notre vie est moins qu'une journée ». Si notre vie est moins qu'une journée en l'éternel, si l'an qui fait le tour chasse nos jours sans espoir de retour, si périssable est toute chose née, que songes-tu, mon âme emprisonnée ? Pourquoi te plaît l'obscur de notre jour, si, pour voler en un plus clair séjour, tu as au dos l'aile bien empannée ? Là est le bien que tout esprit désire, là le repos où tout le monde aspire, là est l'amour, là le plaisir encore. Là, ô mon âme, ô plus haut ciel guidé, tu y pourras reconnaître l'idée de la beauté qu'en ce monde j'adore. Joachim qui a publié l'Olive, certes, mais c'est surtout avec les regrets, en 1558, heureux qui comme Ulysse, tout ça, qu'il passera à la postérité. Chers amis, je vous dis à bientôt. Au revoir.